entreprendre, ainsi que les retards dans les appels urgents s'agissant des interpellations relatives aux violations graves et massives des droits des populations autochtones, comme c'est le cas souvent pour les expropriations et les expulsions, sans le consentement éclairé des communautés autochtones et sans indemnisation appropriée. Madame la Présidente, les efforts du travail en réseau sur la thématique, notamment avec les ONG et les autres partenaires internationaux, demeurent encore insuffisants. C'est pourquoi le groupe de travail a procédé en 2013 à l'identification et la désignation